Je m'appelle Mehdi Bagdad, j'ai 25 ans et mon rêve, c'est devenir une star du MMA, du Free Fight et du K1. Tout a commencé à la scène, au quartier de la Cité Berthe. Quand je suis arrivé pour la première fois à la cité, la première chose que j'ai connue, c'était les embrouilles. Moi, je suis venu pour jouer au foot dans un club qui s'appelle AJSS. Ils se la jouaient tous, on est des guerriers, on est des guerriers. Eux, ils viennent tous du bitume, des terrains vagues. J'aimais la bagarre et c'est là où on s'est vraiment rapprochés. On a travaillé ensemble, on est sortis ensemble, on a voyagé ensemble. Pour moi, c'est comme une famille, comme ils connaissent depuis tout petit. Maintenant, ils me voient dans les journaux, dans les magazines. Ils ne me considèrent pas comme Mehdi Bagdad, le boxeur. Ils me considèrent surtout comme Mehdi Bagdad, la personne qui m'ont vu grandir, qui m'ont vu aller me couper les cheveux, aller acheter le pain. Ils me connaissent vraiment comme Mehdi Bagdad en tant qu'une personnalité. En fait. Maintenant, j'essaye de leur rendre tout ce qu'ils m'ont donné, qu'ils soient fiers du guerrier que je suis devenu. Donc, depuis l'âge de 7-8 ans, c'était un petit jeune de Bron. Je voyais à la GSS avec son père, Ramay Hermon. Il repose en paix, comme on dit chez nous. Et puis, les années ont fait qu'il a grandi, qu'il est parti, qu'il nous a laissé. Et de là, je l'ai revu les jours à Réseau Salon. Et aujourd'hui, il est de retour chez moi. Et Inch'Allah, ce que je souhaite, c'est le Brésil. Et ce combat, le 25, ce sera là, Inch'Allah. Quand je retourne au quartier voir tous mes amis qui sont là à me dire alors ton dernier combat, comment ça s'est passé en Belgique, comment ça s'est passé tout ça. Je les vois pas souvent avec tous ces entraînements, tous ces combats. C'est vrai que ça me fait plaisir de tous les revoir. En plus on a dû prendre un Brésilien. Je travaille dans une avant-boîte qui s'appelle le Statins. C'est une avant-boîte où passe de la musique afro, zouk, raga, dancehall, R&B, tout ce style de musique que j'aime. Et toutes les personnes qui viennent sont un peu tous mes petits frères, qui viennent de la Seine, qui viennent de Sifour, qui viennent de Toulon, me connaissent en tant que Mehdi Bagdad et en tant que Mehdi le boxeur. Dans cette boîte, mon job c'est voir si tout se passe bien. C'est vraiment une ambiance familiale. C'est au cas où, si ça dégénère, je suis là pour vraiment sécuriser la clientèle. Là-bas, l'équipe de Sécu, c'est un peu comme ma famille. Je les connais depuis longtemps et je les considère vraiment comme des frères. Brésil, je crois qu'ils sont connus comme ça, il a été faire du sol à Cassis. Et un samedi, il est venu s'entraîner chez moi et ça lui a plu. Et depuis ça là, ça fait 2 ans maintenant que je m'occupe de lui. J'ai fait faire beaucoup de combats, j'ai fait faire ses premiers combats, il a tout gagné, on a levé le canard, on a fait un bon parcours. Comme ça, on se trouve, c'était de refaire du free fight. Et donc, comme j'ai expliqué avant, j'ai pas hésité une seconde, j'ai appelé Ferry Keder que j'étais en stage avec lui et ils se sont mis en contact. Et donc Mehdi est parti là-bas, ça lui a plu, donc à mon avis, il va repartir et s'il va rester là-bas, je lui souhaite un bon chemin, une bonne route et qu'il réussisse, quoi, c'est mon plus grand souhait. Un jour, je me trouvais à la Seine et j'ai vu un pote à moi qui allait s'entraîner. Je lui ai dit, allez, je vais m'amuser, je vais mettre les gants. Et le professeur m'a dit, bon, on va s'occuper de toi. Tu vas commencer à faire des pompes, à pousser ça, ci, ça, mais tu vas pas mettre les gants. Bon, les premiers coups, ça m'énervait un petit peu. Mais c'est vrai que voilà, ça m'a aidé à être plus sérieux, hein, plus croire en moi, à être moins nerveux. Ça m'a beaucoup appris. Quand j'ai vu tous ces combattants brésiliens, je me disais, c'est là, il faut que j'aille. Et 3 ans après, je me suis retrouvé dans un avion. Et quand je suis arrivé au Brésil, j'ai dit, voilà, je vais devenir comme eux, un guerrier comme il se doit. Putain!
Je suis arrivé à Rio avec mon sac à dos sur le dos. J'avais quoi? J'avais 2-3 euros qu'un ami m'avait laissé dans la poche. De quoi prendre le bus pour aller jusqu'à la plage. C'est là où j'ai rencontré toutes les bonnes personnes. Me trouver un appartement, me trouver le salon de coiffeur le moins cher, le restaurant le moins cher pour aller manger. Et un mois et demi après, j'ai rencontré par hasard dans un McDonald's Gilles Larsen. De fil en aiguille, il m'a fait rencontrer Daniel Vorin. Daniel Vorin maintenant, un des meilleurs entraîneurs de Free Fight. C'est lui qui entraîne Minotaur, Anderson Silva, Lyoto Machida. Et c'est vrai que lui, je l'ai suivi un peu de partout pour se faire connaître au Brésil. La première fois que je me suis entraîné avec ces stars telles que Anderson Silva, Minotaur, tout ça, c'est vrai que je les voyais sur DVD et je dis... Mais en fait, je me suis pas trop mis à la place d'un fan qui s'entraînait avec eux. Je me suis dit, pour devenir comme eux, il faut y aller, il faut envoyer, il faut aller à la guerre. C'est vrai que je leur ai plu. On leur dit Mehdi Bagdad, mais voilà, ça choque et ça sonne. Après 2 ans et demi de vie au Brésil, là où j'ai pu réussir et galérer, et vraiment galérer, je me suis dit, bon, on va aller tenter son expérience en France. C'est vrai que les premiers moments, quand je regarde mon adversaire, il n'y a pas d'amis. C'est ce mec, je vais lui faire la guerre. Je vais te dire un mot un peu cru, je vais le tuer. Et dès que ça sera passé, dès que j'aurai la victoire ou lui aura la victoire, eh ben, si on peut aller boire un coup, se faire la bise, tout ça, ben, ça sera fait. Voilà, c'est vraiment le début. C'est la guerre, c'est pas mon ami. Et après, c'est vrai que ça sera comme un frère. C'est vrai qu'en tant que boxeur, on est dans une même famille, on a la même passion, les mêmes rêves, les mêmes sacrifices. Donc, et après le combat, ben voilà, je lui montre qu'il fait partie de ma famille. Boom.
Non, remets ta jambe devant directement pour faire le petit saut. On fait le petit saut là. Ah, reste devant. Voilà, et là, tu sautes, là, tu viens. Voilà, tout devant pour aller vite. Pas perdre du temps, parce que tu peux pas faire bien la face si tu remets bien le pouce. Mais quand je suis revenu en France, je m'entraînais en jiu-jitsu sur Cassis. Et là où un élève m'a proposé de remplacer un collègue à lui qui devait combattre en K1 à Saint-Raphaël. Donc il m'a fait faire connaissance d'Eric Albert. Donc je me suis entraîné dans sa salle. J'avais un combat dans 2 semaines. Je devais perdre 7-8 kilos en 2 semaines. Je les ai perdus, j'ai combattu. J'ai fait plaisir à Eric car j'ai gagné. Et depuis là, ben, on s'est jamais quitté. Il me fait combattre à peu près tous les mois. Pour un combattant de pied-point, combattre tous les mois, c'est très rare. Il m'a permis de pouvoir dire que la boxe, j'en fais mon métier. Et voilà, c'est avec lui que j'ai gagné le K1 de Marseille. C'est le premier Français à combattre au K1 Japon. Je le vois à peu près tous les jours. Dès que j'ai un problème, j'appelle Eric. C'est un peu mon deuxième papa. Donc voilà, Eric, je tenais à le remercier.